comme des prisonniers, et c'est pas bon. On est barbouillé comme la guerre. On n'a pas le droit de sortir dehors, il n'y a rien. C'est pas le joie, hein, l'ardoise. Le froid, pas de douche. Pas de douche. Tous les enfants, dans un cas, il n'y a pas de chauffage, il n'y a rien. Des voies, de l'armée, là. Et jusqu'à un poêle avec le bois et tout ça, mais ça veut dire que c'est pas suffisant. S'il n'y a pas de médicaments, pas de docteur qui vient chez nous, là-bas au camp. Si c'était à refaire, vous le referiez pareil? Ah oui, moi toujours. Enfin, de toute façon. Et moi, j'étais à la guerre là-bas avec eux, et je suis content que j'ai rentré l'armée française. La France, elle a commandé 132 ans, monsieur France, c'est père ou fils. On a combattu pour la guerre de l'Allemagne, la guerre de 14-18. Enfin, c'est mort pour la France. La prof, les cimetières, partout, marqué mort pour la France. Ça veut que demain, ils m'appellent, moi, les gendarmes ou la police, ils m'ont dit qu'ils ont en cause. Mais je dis, je suis là. Je suis là.